Bonsoir, on va vous parler de Dead Inside. Par John Arcudi qui est au scénario et Tony Fejzula qui est au dessin. Et aux couleurs, on a André May. Et l'histoire, dès le début, c'est dans une prison où il y a un meurtre. D'ailleurs, les dessins sont bizarres des fois parce que là, on a l'impression que cette tête, c'est la tête de lui et qu'il est en train de regarder le plafond alors que pas du tout. Parfois, il y a des ancrages qui sont chelous. Il y a ça qui est chelou et il y en a un autre dont je vous montrerai plus tard. Mais en gros, il y a ce gars tout fin qui tue ce mec tout gros et qui après va se suicider. Et il y a l'inspectrice Linda Caruso qui va essayer de comprendre comment et pourquoi la personne l'a tué puis s'est suicidé. Linda, elle travaille pour le JCD, en gros c'est le département des crimes carcéraux. Du coup c'est pour ça qu'on l'appelle, vu que ça se passe dans une prison. Et au fil de l'histoire, au fil du run, ils vont découvrir que c'est peut-être plus juste qu'une histoire de meurtre et de suicide, qu'il y a peut-être une sorte de complot derrière, où il y aurait de la drogue, des trucs un peu chelous, et où il y aurait peut-être même des employés de la prison qui seraient mêlés. Et dès le début de l'enquête, en visionnant ce qui a été filmé par les caméras de vidéosurveillance, ils vont voir que juste avant de se suicider, le mec, il a ingurgité quelque chose. En gros, on a l'impression qu'il boit un truc de lait, mais genre une brique entière de lait, en 15 secondes quoi. Du coup, Linda va vouloir faire une autopsie, et ses supérieurs vont lui mettre des bâtons dans les roues en disant que ça sert à rien, vu que c'est un truc qui se fait passer dans une prison, que de toute façon c'est des déchets de la société, qu'on s'en branle d'eux en gros quoi. Et elle va voir, enfin, elle va capter qu'il y a un truc chelou, on va dire que c'est une sorte d'instinct, et du coup, elle va aller voir le mec de la morgue pour faire une autopsie, alors que normalement elle aurait pas le droit, mais vu que la personne lui devait un service, et ben ils vont quand même le faire, et au final, du coup, l'enquête va être ouverte à cause de ça. Mais voilà, j'en dis pas plus, mais c'est le gros bordel. Ah oui, et Linda, à la base, avant de faire partie du JCD, elle était policière, et elle n'aime pas du tout son job. Et au fur et à mesure de l'enquête, on va voir qu'elle y prend de plus en plus de goût. Elle a même fait une réclamation pour pouvoir redevenir policière, parce qu'en fait, en gros, ils l'ont mis dans ce système pour qu'il y ait plus de femmes au pouvoir, on va dire. Plus de femmes gradées, quoi. Du coup, elle va faire une lettre pour pouvoir être remutée en tant que flic, parce qu'elle préfère le contact avec les gens. Elle est douée pour ça, pour régler les problèmes avec les mots, on va dire. Et au final, bah, du coup, on verra en le lisant, mais on voit au fur et à mesure du run, et commence à aimer son nouveau job. Du coup, dans l'histoire, on va suivre Linda qui va essayer un peu partout, même dans des clubs de striptease, d'avoir des réponses sur certaines choses pour comprendre. Voilà, c'était vraiment cool. Je l'ai lu d'une traite. Ça faisait depuis qu'il était sorti que je le voulais, mais je voulais pas l'acheter plein tarif. Du coup, je l'ai trouvé d'occasion et j'ai pas regretté. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, son flingue. On dirait que le revolver, la crosse, on dirait que ça c'est un bout de la crosse, alors que pas du tout. J'ai peut-être mis, je sais pas, 10 minutes avant de capter que ça en fait c'était son sort de talkie-walkie là pour les flics. Parce que juste avant, l'arme on la voit souvent dans sa main et on voit bien que, parce que j'ai toujours un flingue à côté de moi, que voilà, que l'arme, eh ben elle est pas un chargeur super long quoi. Du coup j'ai là, what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais et vu comme c'est ancré, ben on a l'impression que c'est avec le flingue, parce que là et là c'est exactement la même couleur. Du coup des fois il y a des trucs comme ça qui sont chelous, mais à part ça j'ai beaucoup aimé. C'est du Dark Horse à la base et c'est Delcourt qui nous a publié ça. Je vous le recommande si vous l'avez jamais lu, et surtout si vous aimez les histoires policières, les thrillers un peu sombres, c'est bien le cas. Oui, et à la fin, la personne qui a orchestré le complot, je me serais jamais dit que c'était cette personne. Du coup c'est une très bonne chose. C'est un one shot. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut. Ça coûte rien, c'est toujours sympa pour nous. Ça nous récompense de notre travail, on va dire. Puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Regarde ce qu'on a fait avant. Puis bah, plus.